Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, les gens, je vous apprends à faire une porte coulissante 3x3 dans Minecraft. Alors, on va tout de suite commencer. Donc, pour la porte 3x3 coulissante, il faudra... Bon, moi, j'ai en fait, je vais faire un truc comme ça. Donc, avec un bloc de verre au milieu. Et donc, en fait, pour faire ça, c'est simple. Donc, il faudra poser des lampes de redstone ici, des blocs n'importe lesquels, des observeurs qui regardent par là, ici, ici, voilà, ensuite un piston, encore des observeurs donc qui regardent cette fois par là. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre encore une torche de redstone. Donc vous voyez que là, ça a fait bouger déjà le piston. Une fois qu'on a ça, on va poser un observeur comme vers le bas, comme ça. Ensuite, on aura besoin de pistons. Pistons. Comme ça, un autre comme ça, et ensuite on va devoir mettre encore un observeur, mais comme ça. On peut déjà voir que quand on pose un bloc au-dessus, ça va faire, sauf qu'il y a des petits bugs parce que du coup ça s'active deux fois, un truc comme ça. C'est une porte compacte, c'est la porte la plus compacte de Minecraft qui existe pour l'instant. Donc il y a quelques petits défauts, mais bon, c'est pas très grave. Une fois qu'on a ça, on va poser un dropper comme on veut. Hein. C'est juste pour qu'il y ait un signal qui passe. Ensuite, encore un observer. Donc cette fois dans ce sens-là. Et un autre dans l'autre sens. Voilà. Là, on va prendre un peu de temps. Donc, on met l'observeur là. Ensuite, on met une poudre de redstone ici. Une poudre de redstone ici. Ensuite, on va pouvoir mettre des pistons vers le bas. Donc, 1, 2 et 1 au-dessus. Donc, ça va faire un double piston pour aller prendre... le bloc. Là on va mettre un bloc normal. On va mettre un levier sur ce bloc. Donc on peut voir déjà que là, ça fait des trucs. Ensuite on devra alors mettre un répéteur comme ça. Ensuite, ensuite, un bloc ici, et là un observeur comme ça. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre des répéteurs, donc un ici et un ici sur un tic. Ensuite, en dessous, on va mettre un bloc de le bloc que vous voulez. On va mettre un observeur qui monte, donc, qui pointe vers le haut. Ensuite on va mettre des pistons collants. Là on va mettre un observeur comme ça. Là on va en mettre, un piston comme ça. Et puis maintenant qu'on a ça, on va devoir mettre un bloc d'obsidienne ici. C'est très important, sinon ça va faire bugger. Et ensuite, il faudra donc là mettre un bloc, le bloc qu'on veut. Il faudra mettre un répéteur
maximum. Voilà. Là, un bloc avec pareil un répéteur. Cette fois sur pas sur 2 mais pas sur 4 mais sur un tic. Et je crois que c'est bon. Alors ensuite, donc le bloc qui sera là sera le bloc du milieu. Donc vous allez voir, par exemple si je mets là la glace. Hop. Si je mets là du verre. Comme ça et comme ça, vous allez voir que si je fais le bloc là va se retrouver au milieu. Donc par exemple, vous voulez si par exemple vous voulez faire trou en fer, vous allez faire comme ça, donc ça va faire ça. Après vous pouvez aussi changer, mettre par exemple comme moi un bloc de verre. Moi je trouve que ça fait bien comme ça, ça fait un peu vaisseau spatial. Voilà. Et bah voilà, on a fini. Maintenant il restera plus qu'à cacher un petit peu le système pour pas qu'on voit. Donc on met des blocs tout autour. Fais bien attention à pas en mettre dans les trous là. Ici, 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 ici. Et donc là, ça fait une porte. Ensemble, 3 fois. Enfin. Pas vraiment. Porte 3 fois 3. En tout cas les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait en cliquant sur ma tête juste ici. Ou à mettre un commentaire, à partager la vidéo. Voilà, salut !